Oui, salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Olicube, c'est l'épisode 90. Hop, 90 si vous préférez. Voilà, c'est bien passé à la dizaine d'ailleurs, ça me rassure. Euh, donc, oui, je vais dire 90. Il y en a qui vont être perturbés, ça veut dire 90. Si vous parlez euh, français et que vous êtes français, je parle français, mais je ne suis pas français, donc j'ai dit 90. Oui, je suis belge. Non, je ne suis pas suisse, il y en a qui croient que je suis suisse. Alors que ce que je comprends pas, c'est que cette information est littéralement partout. Que je suis belge et il y a des gens encore qui, qui se demandent. Comme il y a des gens, je vois encore dans les commentaires qui disent ouais wow, je... si seulement revenir avait un planning. Et je... <laughs> il y a un lien dans le... c'est un des liens sur la chaîne. <laughs> enfin, enfin bref, aujourd'hui on va aller travailler un peu au spawn parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas. Enfin un peu longtemps. Ça fait quand même quelques temps qu'on n'a pas été au spawn et j'aime bien l'avancer petit à petit pour qu'il soit tout joli. Enfin le spawn, je parle de l'île du spawn, hein, pas le spawn-spawn. Il faut vraiment que j'arrête de dire spawn en parlant de l'île en fait. On va aller sur l'île. Non, je ne suis pas dans Lost. Je, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas avoir de problème. Et on va travailler sur différents petits trucs. Le premier étant euh, une ferme à cacao. Donc ça c'est le premier truc qu'on va faire. Euh, pourquoi Parce que le 14 février, approche. le 14 février c'est euh, chocolat et tout, euh, et tout le tralala, c'est la fête des amoureux. Donc euh, si des gens veulent se faire des cookies, se les donner dans Minecraft, mais on n'a pas vraiment de ferme à cacao et c'est un peu triste. Donc je me dis, ah, autant faire une ferme à cacao, comme ça on pourra faire plein de... Bah, plein de cookies. D'ailleurs, je n'ai pas montré, mais j'ai eu quelques cadeaux d'Aïe pour euh, Noël. Je les avais montrés en stream, mais j'avais pas vraiment montré euh, en vidéo, donc je vais vous montrer vite fait, donc l'ARP parti. j'ai retiré la glossone hein, qui flottait dans les airs donc euh, pour aurait où est-ce qu'il est, est là peut-être non là là ok alors on a évidemment des laines de trois couleurs du drapeau français euh, même si enfin euh, elles étaient comme ça je tiens à préciser puis je me suis amusé à les remettre comme euh, je crois que c'est le drapeau néerlandais ouais le drapeau néerlandais juste pour euh, le délire de le faire alors il m'a passé des potions renommées en, mo en mode euh, Grand Vin, genre on a un Saint-Emilion 1969, un Domaine Pierre Millésine 2007, 2017 plutôt, euh, un Nuit Saint-Georges de 1987, pourquoi 1987 je ne sais pas, euh, un Coteau d'Aix en Provence 2014, un Cassis 2010, Cassis 2010, Cassis quoi, euh, un Bandol 2012, ok c'est très cool de sa part merci beaucoup c'est des feuilles résistantes des instant health. donc euh, apparemment le, le cassis vous protège du feu et euh, les nuits saint georges vous redonnent de la vie <laughs> et le milésine d'hyper aussi enfin bref j'aimais assez bien l'idée donc ça c'était plutôt cool je pense qu'avec si je fais des cookies pour quelqu'un ou autre chose, je vais les renommer genre euh, genre chocolat pas très bon mais fait avec le cœur ou des trucs comme ça, je pense que ça peut être marrant. Enfin bref, Alors, du coup on va travailler tout de suite. J'ai déjà fait un petit design, je vais aller chercher ce qu'il faut pour commencer et on va commencer tout de suite. Alors je me suis amusé à mettre la map euh, là où il y a le bateau juste pour voir un peu à quoi ça ressemble et euh, euh, le bateau a un peu une drôle de tête en fait, genre une vraiment drôle de tête. C'est parce que la map n'est pas exactement précise. Chaque pixel correspond à quatre blocs. Si je me souviens bien, du coup, il est un peu en mode. Eh, eh, c'est à peu près ça, et ça nous donne cette magnificence. C'est imaginer un bateau comme ça dans la vraie vie. Ouais, vous, vous montez pas du tout dessus. J'entends un gast. Y a pas de ghast, c'est bon. Il est là, depuis des millénaires. Le sac de cacao dans la forêt millénaire. À ne pas confondre avec le sac de cacao que sont les DLC d'Ubisoft traînant sur la page de Steam et ce gars là aussi ok alors j'ai trouvé un petit endroit près du spawn il n'y avait pas trop de bâtiments dans le coin ici je me suis dit eh, on va faire un petit bâtiment bah il y a bien la ferme à witch enfin la, la witch donc on entendra des bruits en 9 j'ai hâte ça va ça va Ryan tranquille Ryan sorcière ah ben bah, voilà c'est bon j'ai du poison je peux travailler j'ai eu mon, mon charme de, de bonne chance, on va dire. Hop, alors, on va faire un design très très simple. Je vais vous le montrer pour faire une ferme à à, à cacao. Oui, cacao. Et du coup, ça ne, je sais même pas J'ai pris des comparateurs. J'en ai même pas vraiment besoin. Donc, déjà la taille. Euh, vous faites la taille que vous voulez. Moi, je j'ai pas besoin d'une grosse. Hein. Je voilà. Je je, je, ça me change comme ça. Euh, du coup, je vais faire... Donc... J'ai fait différents setups. J'ai testé pas mal de setups. J'ai cherché aussi un peu sur YouTube. Je me suis dit, non, je vais faire un truc moi-même. Et... et euh, je, je sais pas. Je, je me suis dit, il n'y a pas besoin d'un setup de malade. C'est juste du cacao. quoi Donc un setup simple et facile à utiliser semble le plus adapté. Alors, si vous ne savez pas le cacao... Pousse sur du jungle, euh, donc du jungle wood. Euh, vous ne pouvez pas utiliser d'autres bois, il faut juste du jungle. Aucun autre bois ne fonctionnera, et puis vous, vous pouvez le planter et euh, le laisser pousser tranquillement. Hop. Vous ne pouvez pas en mettre au-dessus, je tiens à préciser. Et quand euh, ça a grandi, si je me trouve un bouton, tac, je vais me prendre quatre boutons, fait que de Quand ça a grandi, bon là ça n'a pas grandi, vous pouvez bêtement utiliser un piston comme ça. Ah bon là c'est un peu stupide ce que j'ai fait mais Vous pouvez bêtement utiliser un piston Et euh, pousser les blocs pour que ça casse euh, Le cacao Et ça vous droppera la plupart du cacao Donc moi ce que j'ai fait c'est j'utilise les J'ai vu des designs en fait qui utilisaient Pas forcément des slime blocks et du coup ils étaient Un peu euh... Euh, Il fallait pousser les blocs puis les remettre En place ce qui est un peu, euh, un peu embêtant Alors un setup que moi j'ai Un peu designé vite fait en créatif C'est euh, vous avez des pistons séparés par deux blocs, comme ça, euh, et vous mettez des slime blocks par-dessus, et ces slime blocks vont tout simplement attirer les blocs de bois avec eux et du coup vous pouvez les déplacer et les remettre en place sans utiliser de, de mécanisme avec euh, parce que les mécanismes que j'ai vu souvent il y avait de la ressonance en bas de la ressonance en haut pour remettre le truc alors que là bah, juste un peu de reste en bas et c'est à peu près tout. J'ai mis vite fait comme ça mais en fait je vais certainement le mettre un peu sous le sol juste pour vous montrer. Et du coup vous avez juste à mettre votre bois sur le côté comme ça. Et là je l'ai fait exprès, donc euh, comme les, les bois se touchent mais ça ne pose aucun problème pour les slime blocks Parce que tant que c'est pas des slime blocks qui s'attirent, d'ailleurs il faut utiliser des sticks et pistons hein, je vous rappelle Du coup ça vous permet d'avoir un setup dans ce genre là, tac j'enlève le bois euh, Où tout va être attiré quand vous, euh, vous utilisez un peu de redstone pour activer tout ça euh, mais c'est chaque chaque piston hein, sera indépendant l'un de l'autre. Donc ce, ce ne sera pas attiré. Euh, c'est pas parce que ces slime blocks attire tous ces blocs-là que tous ces blocs-là bougent. C'est vraiment chaque slime block attire son, son lot de, de trucs, on va dire. Hop, voilà. Donc je vais mettre un bouton et vous allez voir que... Tout bouge, tout revient. Alors j'ai trouvé des trucs bizarres que j'ai pas trop compris. C'est que euh, parfois il y avait... Tellement de blocs en fait que le, le... Quand je rajoutais des blocs en plus, ça ne fonctionnait plus. Donc là, par exemple, le piston... Enfin, il me semble le piston, c'est 12 blocs. Hein, oui, il peut déplacer 12 blocs. Euh, donc là, on a 3 blocs de slime. On a 3 blocs de bois. 3 blocs de bois. On en aura 3 blocs encore ce côté. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 12 blocs déjà. Donc en fait, c'est bon. En fait, je, je suis en train de me dire, oui, c'est bon. Tout est bon. Donc les... Les trucs de cacao comme ça ne comptent pas comme des blocs. Euh, parce que de toute manière... C'est... même s'ils comptaient comme des blocs, ça a poussé directement, ok. Même s'ils comptaient comme des blocs, ils, sont... ils touchent juste le bloc de bois donc ça ne pose aucun problème, ils ne pouvaient pas les placer sur les slime blocks. Donc voilà. Du coup, quand vous appuierez, ça fera ça et ça tombera au sol. Vous pourriez utiliser aussi un setup où vous power, de... Enfin vous, vous alimentez les... les pistons par défaut. Comme ça en fait, plutôt que ça... Parce que là vous avez on va devoir laisser un espace au-dessus, des blocs pour qu'ils puissent... Euh... Sortir et puis revenir, vous pourriez avoir un setup où ils sont déjà sortis et ils rentrent dans le sol et puis ils remontent. Le problème c'est que en rentrant dans le sol, il y a des... les cacaobines risquent de glitcher et voler un peu partout. Donc on... on va utiliser un setup plus clean. Donc voilà. Allez, du coup j'ai travaillé là-dessus, je vous retrouve juste après. Ok, alors j'ai fini entièrement la décoration et tout du bâtiment pour que ce soit simple. Donc euh, en gros, le scénario type. D'ailleurs, j'ai pas parlé de la récolte, mais bon, le scénario type c'est. Oh j'ai besoin de cacao pour faire du colorant brun parce que j'ai envie de mettre cette couleur-là dans un build, ce qui n'est pas très beau du brun parce que voilà, mais bon, je n'ai rien contre les personnes qui sont de couleur brune d'ailleurs. J'ai impréci... <laughs> il y en a qui il y en a qui vont forcément le ressortir à autre chose. Non, c'est juste quand vous mettez de la laine brune dans une construction en général, ça le fait pas trop. Euh, l'ardonnette qui est brune est déjà un peu mieux parce qu'elle a un côté un peu comme les, les arts de ont un côté différent, elles sont pas vraiment de la couleur exacte qu'elles sont qu'elles devraient être. Par exemple, le bleu n'est pas exactement bleu ou autre chose. Donc ouais, ça va encore, l'art de est brun. C'est vrai que ça rend dans certains styles de build, enfin bref, dans certain style de build, ça irait. Alors... Normalement, il y aurait déjà des trucs de mis, si la personne qui est venue avant était responsable. Ce ne sera pas forcément le cas. Donc vous arrivez, normalement tout est poussé et vous êtes là. Ouah, wow, gros, il me faut du cacao. Oui, c'est to totalement ce que les gens diraient. Vous récoltez votre cacao. Vous replantez. C'est facile à replanter en plus parce que tout est en ligne. Donc vous avez juste à vous déplacer latéralement et à faire toujours le même. Le même truc, et vous voyez que j'ai eu la même quantité parce qu'ils bah, n'ont pas eu le temps de pousser Donc il n'y en a aucun qui a été perdu en glitchant euh, sur le toit, ou, ou dans la rivière, ou sur la tour à mob de, de Davlek On ne sait jamais, on ne sait jamais, avec les glitches Minecraft, je, je, surtout les items frames Les items frames, c'est capable de, vous en cassez un là, il va voler, traverser le toit Traverser là dans l'île, glitcher là, passer dans l'eau, passer dans la rivière et atterrir sur la tour en mob. C'est parfaitement capable avec Minecraft et, et les item frames, je, je, je vous le garantis. Hop, tac. Il faudrait que je fasse une parodie où je fais ça justement, je pense. Euh, donc, ouais, c'est simple et efficace. Évidemment, on ne peut pas automatiser ce process, vous pourriez vous dire. Ah, pourquoi tu mets pas une cloque, Aurélien mais, bah, Il faut replanter manuellement, donc oui, ça va être cool, la cloque va s'activer, ça va faire popper les trucs. Peut-être qu'on va les récupérer avec des hoppers ou autre chose, mais ça sert à rien. Autant euh, venir, appuyer sur le bouton, récupérer tout. Il euh, y en a quelques-uns qui tombent entre les deux blocs là, mais c'est pas très grave, quand ça se ferme, ça vole devant. J'ai fait exprès que derrière il ait... y a aucun espace vide, donc ça, ça glitch dans l'espace le plus proche donc devant donc ça ne pose aucun problème et si vous regardez j'en ai 24 donc c'est exactement le même euh, nombre qu'avant donc ça n'a pas glitché du tout voilà hop donc euh, euh, ça sert à rien de l'automatiser c'est ridicule vous n'allez pas automatiser quelque chose que vous devez replanter à la main de toute manière euh, et du coup si quelqu'un en a vraiment besoin et là il y a 1, 2, 3, attendez, on va calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. 15 fois 3, euh, ça fait euh, 45. 45 fois 3, encore une fois, ça fait euh, 120, 100, 135. 135, oui, 135. Ça fait 135 cacao beans euh, quand on tout a poussé. Et quand vous appuyez sur ce bouton-là. 135. Franchement, je sais pas ce que vous faites. Mais si vous avez pas assez avec 135, vous avez un problème. Je, je, je vois pas. Il a déjà... Regardez ça. C'est quoi ce délire Il a fini de pousser. Il a fini de pousser, j'ai l'impression. Oui, il vient... Oui, voilà. Il a fini de pousser. Ok. Et il y en a... Ah, si, il y a celui qui a poussé. Okay, je... ok. Ça pousse vite, en fait, ces trucs, je suis en train de me dire. Ou c'est moi On peut les faire pousser avec la bonne mille, si vous ne savez pas. D'ailleurs, je pense que je vais faire ça pour compléter euh, tout le truc, mais... Ça m'a et qui... Ben, bah, lui aussi, regardez Qu'est-ce que... Ok. C'est euh, normal qu'il pousse aussi vite. Si vous savez, dites-le-moi. Normalement, les, les plantes poussent toujours au même rythme, parce qu'elles sont... Elles sont souvent dépendantes de... des mêmes cloques dans le jeu, donc ça m'étonne de l'avoir poussé aussi vite, hein, en fait. Donc, ouais. Ma foi. Voilà. Minecraft. Ok alors j'ai complété tout Et il y en a déjà un qui a poussé Je viens juste de les placer C'est abusé on pourrait pas faire une ferme avec ce principe là Parce que visiblement euh... On peut faire une ferme semi-automatique si vous utilisez de la bonne mille, hein. Euh, comme un peu la, la cabane qu'on a de reproduction de plantes qui est tout là-bas Salut Ryan, euh, Celle qui est tout tout Oh c'est mon cheval ça Ouais, Qu'est-ce que tu fais là Je ne sais pas pourquoi je t'ai laissé là. C'est pas grave, on va l'utiliser, justement, c'est toujours mieux. La cabane qui est là, euh, vous pouvez faire un modèle où, euh, au lieu bah, d'utiliser de, de la farmland pour reproduire du blé ou je sais pas quoi, vous utilisez du, euh, du jungle wood pour faire des cacao pins. Voilà. Donc, si vous en avez besoin d'une énorme quantité, vous pouvez faire ça. On est soyons très honnêtes, ça, ça remplira tous les besoins de n'importe quelle personne. Et en plus, c'est bien fait, c'est sexy. C'est pas mal le petit style de bâtiment. C'est le style de bâtiment que j'ai honteusement volé à Ederog, d'ailleurs. Euh, Qu'il utilise pour faire sa maison en haut, il me semble. Enfin, j'ai pris une variation et puis je l'ai fait, fait différemment. J'ai un peu fait à ma sauce en quelque sorte. Et euh, ça rend plutôt bien. je J'aime assez bien. Avec les cacaobines aussi, à, à l'intérieur, on voit un peu comme si c'était. C'est un côté vraiment beau avec les cacao beans qui qui. qui on voit à travers comme ça, je sais pas, ça ça donne un côté comme s'il y avait un comme si c'était un lieu de culte en quelque sorte. C'est le lieu de culte du chocolat parce que le cacao permet de faire du chocolat, donc ouais, à mon avis, ça doit être ça. Ok, voilà, un petit, euh, une petite vision avec des shaders, c'est plutôt sympathique. Le, le bois rouge en général ne range jamais hyper bien en fait avec les shaders parce qu'il a un... il ressort de trop et on voit pas beaucoup de choses. Et en plus, je suis sous l'île donc il euh, a aucune ombre ici vu que ben on. On est dans une ombre en fait, on est dans l'ombre de l'île, on le voit là, qui finit ici. Il me semble. foutu bateau Bateau qui me fait de l'ombre. Incroyable ça. Enfin bref. Euh, je voulais aborder un sujet assez important, c'est que dès ce mois de février, euh, l'horaire de la chaîne va pas mal changer. J'en je, parle dans la vidéo de l'icube parce que beaucoup de gens le regardent l'icube. Et que du coup, il y a des nouvelles séries qui restent d'arriver. Il y a aussi des vidéos concept qui risquent d'arriver. Euh, du coup, ne soyez pas perturbé si des choses changent. Holy Cube sera toujours le mercredi et le samedi, même si je tiens à préciser encore une fois, s'il y en a qui ne le savent pas, c'est possible qu'il y ait des épisodes qui sautent en attendant la sortie de 1.9. Si je, je je travaille sur un épisode plus important et que je n'ai pas le temps de le finir, c'est possible que ça saute parce que je suis un peu dans le fond des idées actuellement en attendant l'1.9. Je suis un peu dans le fond des idées et c'est des idées que j'ai repoussées parce qu'elles prennent du temps. Donc voilà, donc euh, je, je retenais à refaire la précision parce qu'il y a des gens qui oublient très très vite et ça, ça c'est un peu énervant, mais bon. Enfin bref. Euh, donc voilà, l'horaire changera pour février. Et euh, il devrait avoir un peu plus de live pour février. Été assez, ça a été assez chaotique au niveau des lives les cubes, euh, au niveau janvier, euh, et même décembre. Euh, tout simplement parce que je, je me suis concentré plus sur ma chaîne, je pense que vous avez dû le voir. Donc j'ai fait beaucoup moins de live. Euh, et du coup on a beaucoup de choses qui sont accumulées que je fais en général en live. Les lives c'est plutôt ambiance détendue, on discute, et je fais un peu des trucs souvent répétitifs, mais qui doivent être faits, et que je ne peux pas faire en épisode parce que c'est trop répétitif. Je peux pas juste faire un épisode où... Bienvenue pour cet épisode de l'icube, on va faire un chemin dans le désert. Yay <laughs> Bienvenue dans cet épisode de l'icube, on va faire... Euh, on va aller vider tous les coffres qui traînent partout et que j'aurais dû faire mais que... J'en ai rajouté un en plus, c'est pas grave. En fait, ce que je pense que je vais devoir faire, c'est récupérer les trucs précieux qui ont une certaine. Euh, qui sont. Euh, on va dire. on peut définir qu'ils sont en partie précieux. Je garde mon chocolat. Euh, et puis en fait, juste brûler le contenu du chest. C'est ce que je devrais faire. Mais il faut que je, je cours le faire. Donc j'essayerai de caser un peu plus de live. Le problème, c'est que maintenant, à mon avis, ce qui va arriver, c'est que les lives ne seront plus. Euh, oh, les machins trucs à telle heure live non ça, ça va ça va être plus cette oh j'ai le temps en ce moment là live maintenant point et euh, donc voilà euh, du coup je pense que si aussi si je fais sauter un épisode je ferai peut-être un peu plus de live euh, mais évidemment si je fais sauter l'épisode j'utilise la, la une partie du temps que j'aurais passé à faire cet épisode pour faire l'épisode d'après hein. Mais euh, je pense qu'on peut aussi en profiter pour faire un peu plus de live, pour faire avancer des trucs qui doivent avancer, quoi qu'il arrive. Euh, et si vous avez déjà suivi les lives, vous devez vous douter que des fois, certaines choses qui paraissent ridicules, hein, du des, des, genre faire un chemin dans le nether, faire une pièce d'une certaine manière ou autre chose, ça peut paraître ridicule, mais le temps que ça peut prendre, et je suis là des fois pendant 4 heures de live à faire un chemin, un chemin qui fait juste. Qui fait rien des fois, ou une pièce, c'est un peu abusé, donc euh, voilà. Bref, euh, je voulais euh, faire la précision, donc voilà pour ceux qui se demandent pour les live et tout ça. Euh, et d'ailleurs, j'ai parlé de Holy Cube dans la FAQ, dans la vidéo FAQ, donc euh, je sais bien que tout le monde ne, ne regarde pas forcément, mais dans la vidéo FAQ, maintenant dans la description, merci Pepperman, il m'a fait un. Donc la deuxième partie de la vidéo FAQ, vous avez dans la description euh, le temps. De chaque question donc vous avez la question et le temps associé à cette question donc si vous voulez retrouver une question en particulier dans la FAQ vous pouvez la retrouver vous allez dans la description vous regardez oh toutes les questions les cubes. je regarde et puis vous voyez euh, genre une question les cubes qui vous intéresse vous cliquez et ça vous amènera directement si vous êtes sur spécifique je sais pas comment ça marche sur mobile je suis désolé sur mobile euh, il me semble que les trucs de temps comme ça ne marchent pas très bien sur mobile donc je suis désolé d'avance, mais vous pouvez toujours regarder le temps dans de la description et y aller manuellement euh, avec votre doigt là. Vous faites ce que vous voulez avec votre doigt d'ailleurs euh, et essayez d'être à peu près au bon endroit pour la question. Mais bon, voilà, je tenais à faire cette précision parce que la vidéo FAQ est assez longue et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait ou trop long. Au revoir. Mais euh, si vous voulez une question en particulier, regardez juste la, la description pendant deux minutes et regardez les questions qui vous intéressent. C'est incroyable la vitesse que ça pousse ces trucs. C'est incroyable, ça, ça finit de pousser, ça, ça finit de pousser, ça finit. C'est fini, c'est bon, c'est récoltable, limite. C'est incroyable, je, je suis impressionné. Enfin bref. Du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Euh, J'espère que vous avez bien aimé. Elle est un peu plus courte, je suis désolé d'avance. J'ai passé beaucoup de temps à faire ce bâtiment. Et j'ai passé beaucoup de temps à faire des trucs IRL aussi. Mais bon, ça, c'est. Voilà. Euh, des papiers officiels et tout ça, c'est toujours cool. Hein? Je pense qu'il y en a qui doivent savoir de quoi je parle. Enfin bref. Du coup c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. N'hésitez pas à, comme je l'ai dit, aller voir cette vidéo FAQ. Et euh, bah, je vous retrouve pour un prochain épisode. Salut à tous